Non, moi je vais simplement faire la transition entre Catherine Prouvé et Jean-Charles Huet. D'ailleurs, une transition très simple, puisque lorsque nous avons demandé à Catherine Prouvé qui était le meilleur spécialiste des questions des techniques et des principes constructifs, Catherine n'a pas hésité, elle nous a parlé immédiatement de Jean-Charles Huet. Donc Jean-Charles est architecte basé à Roubaix, je ne me trompe pas parce que les zones sont un peu difficiles, et il va donc évoquer la question du principe constructif à partir d'une maison qu'il connaît très bien, puisqu'il s'agit de la maison Métropole, dont il a été l'un des restaurateurs. Donc il va s'appuyer sur cette maison Métropole pour évidemment évoquer ce qui nous intéresse, nous, c'est la maison des jours meilleurs, et peut-être la placer dans une historique de la technique chez Prouvé. Voilà, Jean-Charles. C'est bon, très bien. Bonjour, donc en quelques mots, je vais vous raconter mes 25 ans d'existence avec Jean Prouvé. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur le pavillon Métropole en 1990, en fait sur deux pavillons Métropole en 1990, et la fin du deuxième pavillon s'est finie en 2013. Et en fait, si je dis 25 ans, c'est que depuis deux ans, avec l'accord de Catherine Prouvé, de la famille Prouvé, et d'un organisme HLM du Nord, on va réussir à mettre en place le pavillon Métropole avec les normes actuelles et à le produire pour qu'il soit justement dans son rôle qui était le sien de loger des personnes à loyer très bas. Je dis ça parce que par rapport à ce que vous avez pu lire dans Le Monde hier, le prix des maisons Prouvé actuellement est dévié un peu de sa fonction initiale. Donc, en deux mots d'abord, pour resituer Jean Prouvé, comme il y a beaucoup d'étudiants en champ d'architecture, Jean Prouvé, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il n'était ni architecte ni ingénieur, mais il était ferronnier d'art, et c'est, je pense, vraiment le point de départ de sa personnalité, c'est-à-dire que le fait d'avoir pendant des années travaillé la matière au marteau et à l'enclume, il a vraiment un sens exceptionnel. Il a ressenti la matière et je pense que tout son travail après provient de là. Alors, je ne suis pas spécialiste de la construction bois, mais le seul conseil que je puisse vous donner, c'est que lui, toutes les formes qu'il a créées étaient liées à son outil de production. Et en fait, l'outil principal de production que je prouvais, c'était une plieuse, une extraordinaire machine qui existe entre les deux guerres et qu'il a utilisée. Et son matériau de base, c'était la tôle avec la plieuse. Et toutes les formes, si vous regardez tous les détails techniques qui sont faits, c'est à partir de ça. Et toute sa réflexion vient de là. Donc à partir du moment où vous travaillez sur le bois, il faut réfléchir sur quel outil de production vous allez prendre pour en découler une forme. Ça, c'était un aparté. La deuxième chose, ce que j'aime chez Jean Prouvé, à part le fait que ça soit vraiment un génie, on peut dire de l'architecture, même s'il n'a pas le diplôme ou le titre, c'est son côté humaniste. C'est-à-dire qu'il a été dirigeant d'une grande entreprise de 200 salariés. Et à l'époque, déjà, avant que le Front populaire existe et que les lois sur le travail existent, il avait un rôle social. Et en fait, il ne percevait qu'un salaire de contremaître. Ses salariés avaient des congés payés. Les salariés étaient assurés, etc. Donc il avait vraiment un rôle social. Ça pour moi, en tant qu'architecte, c'est un élément important. L'autre élément important, c'est son rôle dans la cité. Il a eu le courage d'être résistant et fut le premier maire de Nancy à la Libération. Donc je pense qu'en tant qu'architecte aussi, on doit être tourné sur la cité. On ne peut pas, dans son cabinet, concevoir des formes sans avoir un regard et une application dans la cité, quelle qu'elle soit. La dernière chose, je dirais que grâce aux missions que j'ai eues dans ces deux pavillons, en fait, j'ai eu des cours particuliers pendant 25 ans, et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, revenons maintenant dans le track qui moi, m'a occupé un petit peu. C'est les deux pavillons que vous voyez, donc le numéro 1...
a été vendu à des privés parce qu'en fait, il appartenait à un organisme HLM et cet organisme HLM ne savait pas quoi faire, en fait, de, excusez-moi l'expression, mais de ce bazar en métal, de cette baraque de chantier. Et donc, j'ai trouvé des amis qui l'ont racheté du fait qu'elle avait été classée à un inventaire supplémentaire et donc c'était intéressant pour eux de racheter ce bâtiment. Donc ça, c'est les photos des années 52. Donc on peut voir le... Alors, je pense que ce qu'on n'a jamais compris, j'ai jamais su, mais je ne pense pas que ça soit vrai. Je pense que le soubassement avec son petit grillage en bois pour faire pousser des plantes, je ne pense pas que ça vienne de Jean Prouvet. Même j'en suis sûr, mais comme j'ai pas décrit. Et également une aparté. Cette maison était dessinée avec son frère Henri, qui est architecte. Et j'ai retrouvé un courrier dans les différents livres qui existent maintenant sur Jean Prouvet, où en fait Jean Prouvet voyait cette maison, lui, de plein pied, et écrivait à son frère en disant qu'il n'était pas très content qu'elle soit en R plus 1. C'est une vraie question sur laquelle il faut réfléchir, parce que c'est vrai que la photo d'avant, je vous ai montré le dessin original de Jean Prouvet, elle était de plein pied. Le fait qu'elle soit en R plus 1 à l'époque, parce que je pense qu'aujourd'hui on peut se poser des questions, elle avait la qualité en étant R plus 1 de prendre très peu de place et d'avoir la possibilité d'avoir, il y avait un garage et on pouvait mettre encore une voiture sous un carport. Donc à l'idée, la voiture c'était quelque chose de positif. Aujourd'hui je pense qu'on peut s'interroger si ça serait bien qu'on puisse mettre encore deux voitures sous une maison, étant donné que je pense qu'il faut réfléchir au rôle de la voiture dans la société. Mais je trouve qu'elle avait des qualités, et en plus le fait qu'elle soit surélevée par rapport au jardin d'hiver qu'on voit, donc la grande baie vitrée, le beau window qu'on voit, elle faisait, il y avait une impression d'espace qui était multipliée et qui est plus fort bien sûr si on est en R plus 1 que si on est au rez-de-chaussée. Ça c'est donc l'état des maisons en 1990. La première maison qu'on a réhabilitée, donc, c'est celle qui est tout au fond. Et la chance qu'on a eue, donc voilà l'état. Donc vous voyez qu'après 50 ans, il y avait quand même un petit peu de dégradation. Mais on a eu une mauvaise surprise, c'est que le jour de la première réunion de chantier, en fait, la maison a été brûlée parce qu'elle servait de réserve pour stock de vendeurs de cam. Et donc, comme ils savaient qu'on allait intervenir, ça ne leur a pas plu et ils ont brûlé la maison. C'est pas tellement l'incendie qui a dégradé la maison, c'est les pompiers, parce qu'ils ont arraché les volets, etc. Donc on s'est retrouvé avec cette maison-là. Donc comme elle était classée, l'architecte des bâtiments de France a écrit au ministère en disant « Je crois qu'on a perdu le pavillon Prouvet ». Autre message aux étudiants, il faut être tenace, et quand on croit quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout. Donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, et pendant des années, j'ai essayé de trouver... des gens qui allaient travailler sur cette maison avec le budget que m'avait donné initialement mon propriétaire. Je veux dire qu'on n'avait pas d'argent supplémentaire. Et donc, en fait, j'ai travaillé avec un serrurier qui s'appelle Gédreski. Pour ceux qui auront la chance de pouvoir travailler avec lui, c'est assez extraordinaire. Et donc, avec Lucien, on a décidé qu'il mettrait le temps qu'il faudrait pour faire la maison. Et donc, en fait, quand il aura un trou dans son entreprise, il travaillerait sur la maison et comme ça, on n'aurait pas de surcoût. Ce choix a fait qu'on a mis 10 ans pour réhabiliter la maison, mais pour le même prix, on a pu la réhabiliter. Donc ça, c'est les photos que vous voyez à l'époque. Alors, par rapport à mon travail d'architecte et par rapport à la restauration et par rapport à Jean Prouvet, à l'époque, en fait, toute l'énergie qu'on a mise était dans sauver la maison. C'est-à-dire que quand la maison était finie et qu'on a commencé à retravailler sur la deuxième presque 10 ans après, moi, je me suis rendu compte que j'étais presque passé à côté de Jean Prouvet. C'est-à-dire qu'on avait tellement mis d'énergie à la sauver que, je vais exagérer, mais on n'avait pas regardé comment elle avait été conçue. J'exagère, bien sûr, mais c'est pour vous dire que la deuxième expérience a été vraiment extrêmement enrichissante. La deuxième maison est comme ça. Alors, je vous montre parce que c'est intéressant quand même d'imaginer par rapport aux photos que vous avez vues de Jean Prouvet initialement de la maison, comment on l'avait imaginé. Mais là, c'est Monsieur Franz en haut avec son t-shirt, la lunette. Ils ont vécu quand même 40 ans dans cette maison et ils l'ont aménagée, décorée à leur façon. Et le pot de fleurs qu'on voit sur la droite, c'est le magnifique lampe potence de Jean Prouvet, mais avec un peu de fleurs en plastique autour. Et c'est vrai que ce n'est pas l'image que je me faisais de l'usage de cette potence de Jean Prouvet. L'autre anecdote, c'est que M. Franz était tapissier de métier.
Et ils étaient vraiment très, très attachés à cette maison. Mais une chose qui les gênait beaucoup, c'était en fait les couvre-panneaux entre chaque panneau. Donc les panneaux font un mètre de large. Ce n'est pas tout à fait un mètre, mais on va simplifier, on va dire un mètre. Et entre chaque panneau, il y avait un couvre-joint en acier. Et donc, il y avait bien sûr des joints creux, des nervures, etc. Et donc, M. Franz détestait ça. Et donc, il a passé ses 40 ans à mettre des couches de papier peint et des couches de papier peint pour essayer d'avoir un mur plan. Voilà. Bon, on peut remarquer que c'est un peu vain comme expérience. On voit le plafond qui était dans le même principe. On voit facilement quand même les nervures. L'autre chose, le célèbre portique, donc la structure métallique en U à côté du poêle, qui est vraiment le génie de Jean Prouvaire dans le côté constructif. Pareil, la famille n'aimait pas tellement ce détail-là. Et donc, il avait mis un papier peint faux bois pour essayer de donner un côté cachet chaleureux, avec, comme c'est une potence en trapèze, avec un raccord de fibres de papier peint, un truc de malade, quoi. Et il avait réussi quand même, c'était assez incroyable. Donc voilà, la deuxième maison, on la démonte, et on met à peu près une quinzaine de jours à la démonter, parce qu'en fait, avec tous ces papiers peints, toutes les peintures qu'il avait mis, etc., en fait, l'entreprise a beaucoup de difficultés à tout démonter. La surprise, oui, je pense que vous le voyez, donc en bas, la photo en bas, c'est intéressant parce que c'est les tirants, c'était des tirants, les petites tiges que vous voyez, c'était des tirants qu'il y avait entre chaque panneau et ça permettait en fait à ce que la toiture ne décolle pas quand il y avait du vent. Ça servait de tendeur et pour la retenir. Et on voit qu'elle est, il n'y a plus de matière. On voit, c'est comme une aiguille à coudre, il n'y a plus de matière. Et en fait, il y avait pratiquement pas de fuite d'eau dans cette maison, malgré que il faut donc savoir que tout ce qui est panneau d'habillage est en aluminium et tout ce qui est structurel était en acier. Et à l'époque, parce que ça remonte quand même dans les années 50, la galvanisation n'existait pas et donc on n'était pas encore dans une protection des pièces métalliques comme on l'est aujourd'hui. Et en fait, cette corrosion n'est pas due donc à l'infiltration d'eau, mais due en fait au point de rosée avec les ponts thermiques. C'est les ponts thermiques qui ont en fait attaqué la maison. Alors quand je vous montre la photo comme ça, il y aurait d'autres pièces métalliques, vous pourriez vous dire, là, mais c'est incroyable, elle est totalement détruite. Mais en fait, sur la totalité des pièces, il n'y avait que 2% qu'on a changé. 2%. C'est-à-dire une maison qui était faite en 1950, qu'on a réhabilitée en 2013, qui n'a pas été entretenue, parce qu'elle n'a pas été entretenue, à l'époque le bailleur social ne s'en occupait pas. Elle a eu que 2% de pièces à changer. Je le dis par rapport à la construction métallique, où on dit que, voilà, etc., ça vieillit mal, etc. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès. Alors, c'est intéressant, la photo, on voit les deux portiques, les célèbres portiques. On voit la poutre faîtière au milieu, qui est vraiment la colonne vertébrale. Et en fait, ce qui est extraordinaire chez Jean Prouvaire, c'est que tout sert à tout. Aujourd'hui, si vous faites une structure porteuse, elle va porter, elle ne fera que ça. Et si vous faites une façade rideau, ça sera un habillage. Jean Prouvaire, ça servait à tout. C'est-à-dire que même ces tirants, qui sont vraiment une tige de métal pleine, servaient de poteau. C'est-à-dire que quand on commence à monter la maison, on le verra après, mais oui, je l'expliquerai après, ça sera mieux. Alors, ensuite, cette maison, c'est 3600 pièces. On a démonté 3600 pièces. C'est un véritable mécano. C'est-à-dire qu'à l'époque, par rapport à aujourd'hui, où par exemple les façades rideaux ou les façades industrielles en bardage, c'est deux tôles avec un isolant à l'intérieur et c'est fait de façon industrielle à la chaîne. Jean Prouvaire, on est encore dans le monde artisanal. Et donc en fait, c'est deux tôles pliées, assemblé avec un cadre métallique, disons un cadre aluminium, et avec un isolant à l'intérieur, des choses qu'on verra. Mais c'est vraiment un assemblage de pièces. Et c'était donc 3600 pièces à démonter et assembler. Et le plus gros travail que l'entreprise a eu à faire, c'est juste le démontage, mais quand c'était démonté, ça allait, c'était donc par rapport à ces histoires de papier peint, de peinture. Il faut savoir que pour décaper une tôle, il y a donc des bains de décapage. Je n'ai toujours pas su la formule du bain. Ça fait 20 ans que je travaille avec Lucien. J'essaye de le travailler au corps pour avoir sa formule de décapage. Il ne me le donne pas. Donc, c'est vraiment un secret bien gardé. En fait, on décape
une couche par une couche. Donc, c'est-à-dire que le panneau, quand il avait 5 couches de papier peint, on devait le repasser 5 fois dans les bains. C'est-à-dire on le mettait dans le bain une journée, la nuit on le sortait, on le lavait, le lendemain on le remettait, etc. Donc vous imaginez, il y a 124 panneaux, donc ça faisait plus de 1000 bains qui ont été faits là-dessus. Ça a pris 3 mois quand même. Parce que bien sûr, on est aussi chez un entrepreneur qui est un artisan et il n'a pas 200 mètres linéaires de bain. Il avait un bain pour faire ça. Donc c'était un travail quand même pénible, ça. Mais ça a porté ses fruits parce que, encore message auprès des jeunes des architectes, des jeunes architectes bien sûr, c'est que les contraintes, on doit les utiliser pour améliorer un projet. Et c'est-à-dire que cette contrainte qu'on n'avait pas prévue de temps, parce qu'on a pris, on a doublé le temps d'atelier par rapport au temps initial. Ça nous a permis à nous, avec Lucien, de regarder toutes les pièces dans le détail et d'essayer de comprendre à quoi elles servaient. Je vous donnerai un ou deux exemples tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez le mécano, des pièces, des milliers de pièces, comme ça, stockées, nettoyées, sablées, regalvanisées, etc. Celle du milieu, bon, qui est une très belle photo, mais c'est le système des ressorts qui viennent tendre les panneaux en aluminium. Les panneaux en aluminium, donc c'est bien sûr, on a parlé tout à l'heure de l'économie de moyens de Jean Prouvet, tout ce qu'il utilisait, l'épaisseur la plus importante, c'était 1,5 mm. Même en acier. Les poutres en acier, son portique, etc., c'est une tôle d'1,5 mm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment rien du tout. Et donc, les tôles en aluminium qui est à l'extérieur, par rapport au choc thermique, aussi bien le froid que le chaud, la tôle était dilatée, donc sous la chaleur, on va dire, se déforme. Et les ressorts de Jean Prouvet, qui sont des ressorts de matelas, hein, vraiment un truc totalement idiot, simple plutôt qu'idiot, fait qu'il gardait sa forme. Ça permettait aussi, pour le transport, comme la tôle avait sa forme, de ne pas recevoir de coups, d'avoir moins de risques d'abîmer les tôles. Voilà. Comment une chose peut servir à plusieurs fonctions. On voit en bas sur la droite, on y reviendra, mais c'est ce qu'on appelle les équilibreurs de Farnier. Alors le remontage, voilà. Alors, la maison R+1, ils étaient obligés d'être trois parce que du fait qu'on soit en R+1, il fallait qu'il y ait un bonhomme sur un échafaudage pour monter certaines choses. Alors c'est vraiment assez extraordinaire parce que c'est les deux portiques que l'on vient fixer à la dalle de béton. Ensuite, on vient mettre la poutre faîtière, qui est donc la colonne vertébrale de la maison. On le voit sur la photo du haut, que la poutre faîtière, eh bien, on vient la poser au sol pour pouvoir accrocher la poutre pignon, qu'on va dire en aile d'avion, qui est au bout. Et petit détail génial de Jean Prouvet, c'est que la poutre qui est posée à 45 degrés au sol est chanfreinée dans sa partie basse. Parce que si elle n'était pas chanfreinée, on ne pourrait pas la descendre. C'est-à-dire qu'il y a un chanfrein de 2 cm, je ne sais pas si vous saisissez, mais deux parties rectangulaires, si on vient la descendre, on ne peut pas, donc elle est chanfreinée. Ça, c'est un exemple, il y en a des dizaines. Je veux dire que tout était pensé, mais à un point, donc je rejoins l'histoire du coût de l'ingénieur par rapport au coût du chantier. C'est que vraiment tout a été pensé, la maison en fait a été montée dans la tête, etc. Et tout a été envisagé avant. Mais cette maison, c'est 20 ans de réflexion sur la maison à portique. C'est-à-dire que Jean Prouvet a commencé en 1938 à travailler sur sa première maison à portique qui était pour l'armée de l'air. Et il a fini, on va dire, en 1954 à peu près, sur ce type-là. Et si vous regardez les livres qui sortent sur Jean Prouvet, vous verrez des dizaines d'exemples de portiques différents. Et celui-là est le dernier. Et là, c'est vraiment l'intelligence au service de la construction. On pourra revenir peut-être après tout à l'heure. Ensuite, si on voit sur la photo en haut à gauche, donc c'est ce qu'on appelle les rives hautes. Et donc, vous voyez, la rive haute est posée. Et elle est juste maintenue par les petits tirants qui servent donc de support et par deux autres tirants qu'on voit perpendiculaires qui vont portiques, qui sont vraiment des éléments pour empêcher que les façades longitudinales s'écartent de la maison.
C'est deux tôles pliées. Et pour ceux qui pourront aller, elle est visitable, cette maison à Tourcoing, vous pouvez aller. Il suffit de prendre rendez-vous avec Villogier, qui est le propriétaire, mais une fois par mois, elle est ouverte. Et vous verrez, c'est d'une finesse. Et même, quelquefois, j'en pouvais aller tellement loin dans le détail d'essayer de mettre le moins de matière possible que un des tirants est même en surface gauche, tellement il est trop fin, on va dire, il résiste pas aux choses, il se tord de lui-même, mais il l'a laissé quand même. Moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'il l'a quand même laissé. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, avec les bureaux de contrôle, on pourrait laisser un objet comme ça, mais la preuve, c'est que ça tient quand même. Donc ça va très vite, c'est un mécano, donc on voit le détail, c'est toujours boulonnage, hein. On vient mettre des écrous et des boulons. On a mis une semaine pour monter la maison. Donc cette maison a été modifiée par rapport au projet initial, c'est qu'on en a fait des bureaux, disons, on en a fait, ça devrait être des bureaux, ça fait 2 ans que la maison est livrée. En fait, comme Villogia est un organisme HLM, il est pas, c'est pas dans sa fonction de faire l'allocation de bureaux. Le directeur rêve de mettre une jeune agence d'architectes dans ce pavillon. Il y a beaucoup de jeunes agents d'architectes qui rêvent d'être là, même d'autres agences, j'en ai fait partie, mais le loyer quand même, s'il n'est pas cher, et pour une jeune agence d'architecture, il est un peu cher. Donc le montage est très simple. Alors c'est là où on voit quand même les limites des choses à l'époque. Donc la maison était, dès les années 50, prévue isolée, c'est-à-dire qu'avec les moyens de l'époque, tous les panneaux, toutes les parois extérieures étaient isolées avec de la laine de verre. Sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de laine de verre à l'époque, c'était 5 cm. Et puis la particularité de la laine de verre, c'est qu'elle prend l'humidité, donc avec la condensation qu'il y avait. C'est-à-dire que les panneaux étaient isolés, mais les couvre-gens entre deux panneaux, je vais peut-être revenir, voilà. Donc on voit les couvre-joints, c'est entre les éléments de bois, on voit l'élément vertical. Il y avait à peu près 3-4 cm de jour. Et donc ça, à l'époque, la maison, il n'y avait pas d'isolant. Donc, bien sûr, un pont thermique terrible. Mais une réflexion déjà, il y avait quand même des rupteurs de pont thermique pour les panneaux, etc. Il y avait déjà, une grande réflexion là-dessus. Il était, après, il est fait avec les moyens du bord, avec ce qui existait à l'époque. Et donc, il n'y avait que de la laine de verre qui existait. Donc, aujourd'hui, quand nous, on a démonté, la laine de verre, en fait, était descendue dans les panneaux du fait qu'elle était gorgée d'eau. Néanmoins, elle était bien. C'était quand même pas mal. Une phrase que disait Madame Franz à propos de cette maison, où elle a vécu 40 ans, elle disait que c'était une maison qui parlait. En fait, donc c'est très poétique, sauf que ça veut dire que quand il y avait du vent, ben, je pense qu'on ne devait pas s'entendre beaucoup. Quand il pleuvait, on ne s'entendait pas du tout. Quand il faisait chaud, ben, c'était un four. Et en hiver, c'était un frigo. Et donc, tout claquait, etc. Mais je trouve qu'après 40 ans, elle disait que sa maison parlait quand même. Donc ça, c'est le montage. Alors oui, les choses qui sont un peu... qui sont un peu bricolage, moi je trouve qu'on a fait, mais bon, en même temps on avait les moyens qu'on nous a donnés, c'est que la couverture, c'est, on le voit sur la photo en haut, c'est une tôle d'aluminium de 1,5 mm d'épaisseur. Point final, dans Jean Prouvet, c'était ça, et après, il posait une laine de roche sur le faux plafond. Sauf que bien sûr, l'espace de plénum entre la couverture et l'isolant était gorgé d'eau du fait du choc thermique, et donc ça pleuvait un peu dans la maison, pas par la pluie, mais par la condensation. Et donc, on a, avec nos moyens, projeté du polyuréthane sur la couverture. Et après, on a mis de la laine de roche. Bon, voilà, c'est un peu, c'est pas très élégant, on va dire, mais ça remplit son rôle. Dans l'image du bas, toujours pareil, le côté génial de Prouvet, il y a un petit ressort qui vient tendre la tôle du faux plafond. Donc le faux plafond, c'est un module de 1 mètre par 1 mètre, et il y a juste un petit ressort qui vient tendre la tôle pour qu'elle ait vraiment une forme parfaite. Ça, c'est la photo de la façade avec justement l'équilibreur de Farnier. Donc pour ceux qui prenaient des trains où il y avait encore des fenêtres qui s'ouvraient, c'est le même principe des fenêtres des trains, c'est-à-dire que c'est un système dans le carré, il y a un ressort, il y a un bras de levier qui coulisse, on le voit avec une fente et un axe. Et donc, quand on descend la fenêtre, ça retient un peu. C'est-à-dire qu'on peut arrêter la fenêtre en milieu de course. Le ressort empêche la fenêtre de descendre jusqu'en bas. Voilà. C'est un système tout simple qui fonctionne très bien, qui nous a posé un problème. C'est-à-dire qu'on aurait voulu remettre des doubles vitrages, parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire quand même des châssis très fins en double vitrage. Mais on ne pouvait pas, parce que si on avait fait ça, on doublait le poids du châssis. Et donc, l'équilibreur de Farnier ne pouvait plus jouer son rôle. Et voilà. Donc, on est resté en simple vitrage. Une petite coupe technique.
pour expliquer un peu le principe. Donc c'est vraiment un jeu de mécano et un jeu de montage, c'est-à-dire que la paroi à droite, qui est la paroi extérieure, on vient la glisser dans la rive basse, hein, dans sa réservation, et avec, on vient la bloquer en haut dans la rive haute, et on voit la pièce de droite, qui est juste à la limite du faux plafond, et on vient visser ce qu'on appelle une part close, et c'est tout. C'est juste quatre vis qui viennent maintenir la paroi. Cette part close donc a deux fonctions, toujours l'esprit de Jean Prouvaire, part close pour fixer la paroi et en même temps pour mettre une cimesse pour accrocher des tableaux. C'est-à-dire qu'on n'avait pas commencé à s'amuser à percer la paroi d'aluminium ou de bois ou de plâtre. Sa part close qui sert à tenir la paroi devient aussi un élément d'accrochage de cimaise. On voit dans la photo que le faux plafond, en fait, la rive haute a un profil qui est plus long en partie haute qu'en partie basse, et ça permet de venir glisser, d'emboîter le faux plafond, et donc c'est un assemblage tout simple de faux plafond avec une rainure plus importante. On pousse d'un côté, on pousse de l'autre, et ça tient. On a refait, donc bien sûr, l'idée aussi, c'était de ne rien changer à la maison, disons, d'améliorer thermiquement, mais d'essayer de modifier le moins possible la maison. On voit donc le détail du faîtage. Et on voit la photo, donc c'est Catherine nous a autorisé, avec l'architecte des bâtiments de France, à ne pas recouvrir le faux plafond partout, parce que moi, je trouvais que c'était intéressant de faire un décaissé pour montrer en fait la façon structurelle dont Jean Prouvaire travaillait. Donc on a aussi utilisé les couleurs pas pour se faire plaisir dans les couleurs, mais juste pour bien montrer les différentes fonctions, les différentes pièces, etc. Donc on a le portique qui sur la photo paraît en violet, on a les platines qui reprennent les tirants qui est orange, le tirant est orange, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on le voit, là, c'est une photo un peu, on le voit peut-être, c'est suggéré on va dire, mais il est tordu parce que vraiment il était tellement fin qu'en fait il manquait de matière. Et sur les autres tirants, il a renforcé, il a mis un autre principe plus structurant. La poutre faîtière, c'est aussi pareil. Il a fait, 200 plans sur les poutres faîtières pour arriver à cette poutre-là. Aujourd'hui, la poutre faîtière, c'est un U posé à plat, en partie basse, un U en partie opposée, et des U qui viennent souder de façon alternative verticalement pour créer la hauteur de la poutre faîtière. Et c'est des tôles de 1,5 mm d'épaisseur. C'est-à-dire que la poutre faîtière, je ne pourrais peut-être pas le faire aujourd'hui, mais normalement, à deux bonhommes, c'est rien du tout. Ça pèse rien, ça pèse 70 kg. Une poutre qui fait 4 mètres de long, et c'est vraiment une légèreté. Alors, c'était lié là-dessus, parce que certaines critiques disent que Prouvaire n'était pas un homme d'argent ou un homme de calcul. Moi, je pense que c'est un peu, même c'est totalement erroné, parce qu'en fait, quand il parle beaucoup, il écrit beaucoup sur sa production, et en fait, s'il est aussi parti sur un travail avec de la tôle, c'est qu'il expliquait que quand on travaillait la tôle, on avait besoin de 3-4 épaisseur maximum de tôle, que stocker un tas de tôle dans un atelier, on pouvait mettre des centaines de tôles les unes au-dessus des autres, ça prenait pratiquement pas de place, alors que si on travaillait avec des structures, des tubes, des HUI, etc., il fallait une quantité énorme d'éléments différents pour l'usage d'un bâtiment, et que donc ça, on n'en commandait pas beaucoup, donc on l'avait au prix fort, alors que si on commandait des quantités importantes de tôle, le prix était moins cher. Donc il avait bien sûr une réflexion quand même, moi je trouve, très poussée sur l'économie, et qu'après, avec son travail de pliage et de soudure, on pouvait vraiment, avec le même produit, donc une tôle d'un millimètre d'épaisseur, faire énormément de choses. Je rappelle que le portique, je vous invite à vraiment y aller, il est creux. C'est l'élément qui est en violet sur la photo, il est creux, c'est lui qui tient la maison, il est creux. Et c'est une tôle d'un millimètre et demi. Dans la maison qu'on est en train de retravailler aujourd'hui, malgré qu'on ait choisi un ingénieur qui travaille encore à la main, parce que moi je voulais un ingénieur qui fasse ses calculs à la main et pas sur logiciel, parce que comme les logiciels de structure qu'on vous vend aujourd'hui ont des parapluies de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des coefficients qui sont mis dans le logiciel qu'on ne voit pas
pour garantir qu'il n'y ait pas de problème. Moi, je voulais avoir un ingénieur qui me dise qu'il fallait tant de matière, que ce ne soit pas un logiciel dont on ne connaît pas le créateur et le coefficient de tolérance là-dessus. Malgré ça, donc, avec pourtant un excellent ingénieur, alors c'est vrai qu'on est beaucoup plus lourd que la maison que vous avez sous les photos, mais on est à 3 mm d'épaisseur pour le portique. Et moi, j'aimerais qu'on arrive au moins 2 mm, 1 mm et demi, je peux comprendre qu'il n'y soit pas, mais qu'on arrive à 2 mm pour, encore une fois, baisser le coût. Parce que ce que j'ai découvert en tant qu'architecte, que je ne fais jamais dans mes descriptifs et dans mes plans, c'est que comme là, elle était prévue pour être industrialisée à 2000 exemplaires, sur chaque plan qui est dessiné, il y a la quantité de chaque produit, c'est-à-dire il y a le nombre de rondelles, le nombre de vis. Parce que si vous plantez de 3 vis sur une maison, c'est rien, mais sur 2000, le prix, tout de suite, ça va vite. Et donc, tout est quantifié. Donc, je considère que, a priori, mon client ne part pas sur 2000 maisons, mais on partirait sur quelques, quand même, centaines de maisons, si on y arrive. Eh bien, chaque détail est important. Et comme, je rappelle, on veut faire une maison vraiment à très bas coût, pour que des gens qui ont peu de revenus, le travail sur la matière est fondamental. Bien sûr, la célèbre porte à hublot, on va dire. Donc, à parté, c'est vrai que je suis halluciné de voir les prix que ça prend aujourd'hui, parce que si Catherine vous donne l'accord, moi, mon serrurier peut vous faire en une matinée ces portes-là. Je veux dire que c'est, techniquement, c'est rien du tout. C'est génial, parce que justement, c'est très peu de matière, c'est d'une exécution extrêmement facile, et donc, ça remplissait bien son rôle d'être dans une maison pour des gens qui avaient des bas revenus et ça permettait d'éclairer la maison. Et voilà. Mais c'est techniquement, bien sûr, il y a eu les centaines d'heures et le génie derrière, mais aujourd'hui, maintenant que le travail exécuté de conception, c'est vraiment rien du tout. On voit sur le plan, mais pareil, les horizontales que vous voyez, avec, oui, on voit les petits cercles, et bien c'est les ressorts de matelas qui poussent la tôle. Pareil pour les parois dont je vous parlais tout à l'heure, et on voit le détail du ressort par rapport à la tôle. Détail des fenêtres, des châssis. Alors, on n'était pas après la crise du pétrole, donc malgré ce que je disais tout à l'heure, la maison avait été réfléchie, isolée, etc. On voit par exemple au niveau de la fenêtre le dessin à côté avec la petite pièce rectangulaire et les quatre petits cercles et le cercle central. C'était donc l'élément qui tenait les deux cadres du panneau. Et il y avait une résine derrière cette pièce d'aluminium pour justement faire rupteur thermique. Donc il y avait quand même une réflexion à l'époque qui était déjà très poussée. Le problème, c'est qu'il a fait avec les moyens du bord de ce qu'il avait. Et donc les châssis coulissaient dans des rails. Le cadre vertical qui coulissait était avec du bois, ce qu'on appelle du bois de fer. Il faut savoir que toutes les pièces en bois de la maison, on n'en a restauré aucune. Elles étaient toutes en parfait état quand même. Et donc ça coulisse, et pour que ça coulisse, même s'il faut un peu forcer dessus, il faut quand même qu'il y ait du jeu, et donc s'il y a du jeu, il y a de l'air qui passe quand même. Donc ça, c'était le défaut, mais moyen. Et après, moi je trouve, alors c'est vrai que je suis pas né au début du 20e, et donc j'avais parlé quand on s'était vu à Nancy avec le directeur du bureau d'études de Maxéville, et moi je lui disais que le défaut de la maison, c'est que pour le volet, on doit ouvrir la fenêtre, et le volet, en fait, il est dans l'allège. Et donc, pour prendre le volet, on doit ouvrir le châssis, tirer le volet et le remonter complètement. Et en fait, ce volet, il ne servait dans leur esprit que pour la nuit, pour l'intimité des gens. Il n'y avait pas du tout, comme m'a dit le directeur du bureau d'études, à l'époque, ils cherchaient la lumière, ils n'essayaient pas de se cacher du soleil. C'est-à-dire qu'on venait de logements qui étaient des taudis, où il n'y avait pas de lumière, et l'idée, ce n'était pas de se cacher de la lumière, l'idée, c'était d'avoir le plus de lumière possible. Et donc, pour eux, ils n'avaient pas imaginé faire le volet qui soit dans l'imposte, et de descendre le volet pour fermer à moitié le châssis. Pour eux, c'était l'intimité pour la maison. Sinon, le soleil y rentrait, bien sûr, un maximum. Donc, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui fonctionne moins bien. Mais bon, je pense que c'est un petit détail.
Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les... Je vous invite à... Il y a plein de livres sur Jean Prouvaire, dont un livre d'un Allemand, Peter Zuller, qui a fait 4 volumes sur Jean Prouvaire. Je vous invite à les regarder. Vous avez tous les détails. Et vous verrez comme ça l'évolution de son travail. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Bon, là, c'est les plans, j'ai peut-être passé vite. Ça, c'est le soubassement. Donc, avec l'idée du garage, il y avait un local. Et à l'époque, c'était chauffe. Il y avait eu un poêle dans la maison. Il y avait juste un poêle dans le salon. Et c'était un poêle bois, bien sûr. Et le reste, il n'y avait pas de chauffage. Ça, c'était l'époque qui voulait ça. Et puis, le petit carré qu'on voit à côté du mur au milieu, il y avait un monte-charge. Un petit monte-charge manuel. Et pour monter les courses, les bouteilles d'eau, etc., ou le charbon, que sais-je. Et donc, il y avait un petit monte de charge. Donc, on s'est amusé à le refaire. Bon, là, c'est le plan un peu d'aménagement. Je pense que ce n'est pas très utile. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Ça, c'est la coupe de principe. Et donc, ça, c'est les photos. Donc, 1954, en bas, l'inauguration de la maison. 1980, on voit que, comme ils ont eu un peu froid, le jardin d'hiver a été coupé pour faire une allège pleine, pour essayer de limiter, on va dire, peut-être les entrées d'air. Et puis, la photo à droite, c'est la restauration de la maison. Donc, on voit ici, avec la façade ouest. Alors, ce qui est vraiment... assez extraordinaire dans ce principe de panneaux de 1 mètre par 2 mètres 40, c'est que donc il y a des panneaux pleins et des panneaux châssis. Tout peut se mettre n'importe où. C'est-à-dire que la maison est modulable à la conception. Elle n'est pas modulable. Je vois à peu près, on a mis donc une semaine pour faire le clou et couvert. Et après, vous avez vu comment sont montés les faux plafonds, etc. Avec la tripaille électrique, on ne peut pas dire au bout de 2 ans, mais tiens, je vais changer mes cloisons d'endroit, etc. Non, c'est modulable à la conception. Et après, on ne touche pas. Après, on peut la démonter. Nous, on l'a démonté, mais ça, je pense que ça ne serait pas raisonnable dans le coût. Donc, c'est un projet qui est modulable en fonction, parce que suivant les orientations, suivant les vues, etc., on peut mettre, là il y a beaucoup de châssis vitrés, là il y avait énormément de châssis vitrés, on n'est pas obligé d'en mettre autant aujourd'hui, on peut les mettre différemment, etc. On peut mettre l'entrée, là l'entrée était prévue à Tourcoing à ce côté-là parce que c'était plus pratique, elle peut mettre sur un petit pignon ou de l'autre côté, etc. C'est d'une modularité très importante. Voilà. Après on a aussi retravaillé un petit peu sur la couleur, pareil c'était pour mettre en valeur les différents éléments de construction de Jean Prouvaire. Donc là par exemple on a eu l'autorisation pour que ça soit plus confort de mettre un chauffage par le sol. Et donc on voit la dalle originale, on va dire, c'est la couleur pistache que vous voyez là. La dalle qu'on a surélevée, c'est le gris anthracite, l'horizontal gris anthracite, qui a un profil aluminium qui vient finir la dalle. Et ensuite, on voit bien les éléments entre les panneaux châssis qui sont en clair, c'est les principes des couvre-joints. Pour bien montrer et différencier les choses. On voit par exemple les panneaux pleins, encore une fois, encore un côté génial de Prouvaire. Vous voyez qu'il y a dans le panneau, l'intérieur du panneau, il y a 2 verticales, c'est 2 petits coups d'emboutissage dans la tôle pour la rigidifier. Comme ça, elle est raide et ça fonctionne impeccable et elle ne se déforme pas. Donc 2 petits coups d'emboutissage, c'est rien, et ça permet d'avoir une qualité dans le temps du produit. Avec le auvent qui est dessus, c'est intéressant parce qu'en fait la toiture c'était la même chose. Donc vous voyez la finesse de la couverture, c'est vraiment une tôle très fine qui est assemblée en jointif et voilà. L'intérieur, donc on voit avec les potences d'éclairage, que nous on n'a pas mis encore les fleurs en plastique autour, et puis le décaissé qu'on a fait et qu'on a éclairé. Alors par rapport à ça, j'avais rencontré une conceptrice lumière qui s'appelle Cathy Olive, et j'avais assisté à une de ses interventions et j'avais adoré parce qu'elle disait qu'avec les architectes, elle adorait travailler sur la lumière naturelle. Alors comme je sais qu'avec Villogier, on n'avait pas beaucoup d'argent, je me suis dit c'est quand même vachement bien de travailler avec un concepteur qui utilise la lumière naturelle, ça ne va pas nous coûter cher, on va payer son travail, mais ce qu'elle veut utiliser, c'est la lumière naturelle, ça va être bien. Bon, bien sûr, Cathy a utilisé un peu quelques produits artificiels, dont les carrés qu'on voit dans le faux plafond, mais ça fonctionne
fonctionne très bien. Et le travail d'éclairage, bon, on n'est pas très bon photographe, donc la photo rend pas forcément bien le travail d'éclairage du décaissé par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, par rapport à la structure de Prouvet. Et on voit en bas justement le beau window avec cet angle qui sort de 30 cm sur le bas. Et c'est rien du tout, et c'est 30 cm, c'est énorme. C'est-à-dire que par rapport à une perception d'une baie vitrée qui serait verticale, le fait que le bas sorte sur l'extérieur, on a le sentiment vraiment que l'espace se propage à l'extérieur. C'est un effet qui est, je trouve, d'une intelligence, d'une finesse et d'un coût modique pour un effet remarquable. Voilà. On le perçoit encore vraiment plus quand on se promène dans la maison. Voilà, alors après, je repense aux gens, mes interlocuteurs du départ, parce que quand je leur avais vanté les mérites de Jean Prouvet, qui me parlait qu'ils avaient une maison, une baraque de chantier quand même, voilà, donc on s'est permis de les ramener après la restauration finie, et ils ont reconnu que ça faisait quand même pas tellement baraque de chantier. Alors, je dis ça quand même parce que aujourd'hui, on est nous confrontés à travailler sur la maison là, mais la limite, elle est extrêmement faible. C'est-à-dire que la jonction mettons entre deux panneaux, ça peut faire soit baraque de chantier, soit ça fait. Alors, j'ai loin d'avoir la prétention d'être Jean Prouvet, donc j'en suis très très loin, mais. J'ai le souci au moins d'essayer d'être dans son élégance et dans sa finesse. C'est très complexe. Le passage, on peut être vite du côté, je veux dire, obscur de la baraque de chantier. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est là où on voit, et je pense que c'est ça qui fait que ça ne fait pas forcément baraque de chantier, c'est qu'en fait, comme les seules choses qui sont réalisées, c'est des choses qui servent à quelque chose structurellement. Et je pense que c'est une leçon, c'est qu'à partir du moment où on ajoute des choses qui ne sont pas essentielles, alors on ne tombe peut-être pas dans la baraque de chantier, mais on tombe peut-être dans le décor. Et moi, je trouve que ça, c'est la leçon que moi, j'ai retenue du travail avec lui, c'est qu'il n'y a rien d'inutile. Et même, chaque chose est utile à plusieurs fonctions. Et c'est ça, je crois, qui fait qu'après, quand on est dans cette maison, inconsciemment, on ressent l'intelligence des hommes qui ont travaillé derrière. C'est quelque chose d'une pertinence incroyable. Pour parler un peu de modularité du sujet qui vous intéresse, parce que je n'ai pas montré la maison des jours meilleurs, parce que déjà, je n'ai pas beaucoup de documents, je connais moins. Et puis, je trouve que celle-là est plus intéressante dans le sens où elle a ses 20 ans de réflexion. C'est-à-dire que la maison des jours meilleurs, elle vient après. Et il y a eu tout le travail qui a été fait des pavillons depuis 20 à 30 ans qui découle très rapidement et qui jaillit. Je vous invite à feuilleter toutes les maisons à portique parce qu'on voit vraiment l'évolution des 20 ans de réflexion de Jean Prouvet, de ses ingénieurs, mais surtout de ses compagnons. Et ce que j'ai oublié de dire, il a une chance que nous, je pense, on n'a plus aujourd'hui, c'est que Jean Prouvet dessine remarquablement bien, il fait un crobar. Il va le donner à ses compagnons, ils font le prototype tout de suite, on le met dans la cour ou dans l'atelier, on regarde, on voit ce qui ne va pas, et après, ensuite, ça passe en bureau d'études. Ensuite, ça passe par le calcul, ensuite, ça passe par le dessin. Mais tout de suite, on passe de la pensée à la réalisation. Hélas, pour nous, aujourd'hui, on est obligé de passer par la pensée, la surpensée, le contre-pensée, etc., pour ensuite arriver à la réalisation. Mais c'est ça aussi qui fait, et comme il était bien sûr, c'était vraiment un génie de la matière, mais qu'il était aussi entouré de compagnons remarquables qui amenaient aussi leurs compétences et leur savoir. C'est ce qui a permis cette évolution et cette richesse. C'est-à-dire que vous qui partez aujourd'hui dans la réflexion de faire des maisons des jours meilleurs, il faut vraiment, je pense, se nourrir de ce qu'on fait. Je vais prendre un horrible mot, les anciens. Mais parce que si moi je vois nous qui travaillons sur cette maison. J'ai quand même déjà restauré deux maisons. J'ai passé 20 ans à analyser les choses. Mais je vois encore aujourd'hui la complexité et comment les choses peuvent coincer. Voilà, donc c'est très intéressant de travailler sur les maisons démontables, modulaires, etc. Mais c'est quelque chose en fait qu'il faut vraiment approfondir, etc. Donc dans le principe de la maison portique, la plus petite, elle faisait 8 par 8, parce qu'en fait, on a des modules d'1 mètre
et les poutres tiers faisaient 4 mètres de long. Donc on peut faire 8 par 8, 8 par 12, 8 par 24. On peut continuer dans la longueur. Dans la largeur, on est bloqué par la longueur de 8 mètres. Voilà. Après, ce que je vous ai expliqué sur, la modularité des façades, c'est que suivant l'orientation, donc en haut c'est Meudon, à droite c'est Royan, en bas c'est Seguin en Balade, et encore Meudon en bas à droite. Donc beau window. Après, on peut voir aussi le choix des couleurs des gens. On peut la peindre comme on veut, et on voit aussi que la couleur donne un regard et une écriture différente. C'est les différents types de maisons. On continue. Donc la maison, vous voyez, où là on est sur une longueur plus importante et avec des pare-soleils qui datent de la maison tropicale. On voit en bas la maison de plein pied. Moi, je trouve qu'elle est intéressante. Bon, avec le problème qu'elle pose aujourd'hui, c'est l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc, ça veut dire qu'on doit faire un accès par rapport à ça. Donc, on a, nous, des contraintes aujourd'hui qui sont un peu différentes, mais qui nous permettent. Voilà, je vous remercie. Oui, effectivement, vous avez abordé à la fin de votre intervention, la maison des jours meilleurs. Je pense que ce qui était intéressant, mais peut-être vous restez parce que je pense qu'on va avoir des questions à vous poser. Ce qui est intéressant, et vous l'avez évoqué, c'est le fait que la maison, sur le principe du portique, de la poutre faîtière, du mur rideau, elle est mise en application dès 38 quasiment par la maison des réfugiés. Et qu'il ne va cesser de, à partir de ce principe constructif, de l'améliorer. Et nous avions évoqué la question du poids lorsque je vous avais rencontré. Effectivement, l'atoll va s'imposer. D'ailleurs, il y a un article formidable, je ne sais de qui s'appelle L'éloge de la plieuse, où il montre qu'effectivement, la plieuse va devenir presque un outil d'écriture pour lui. Même la pensée créatrice va. Dérivé de cet outil, mais au début il ne travaille pas forcément avec de l'atoll. Il y a du métal, il est lourd. Vous pourriez dire deux mots sur cette évolution, parce que vous la connaissez malgré tout. Au début, il travaille quand même avec des plieuses qui ne sont pas les plieuses qu'il a ensuite, qui sont des plieuses mécaniques à pression hydraulique, etc. Mais très vite, quand même la plieuse sert au métal, je veux dire à l'acier. Je veux dire que ce soit de l'acier ou de l'aluminium, ils travaillent pas de la même façon, mais ils travaillent avec les mêmes outils quand même. Très vite, il a très peu d'éléments structurants qu'il achète du commerce. Il peaufine tout de suite à sa sauce quand même. Bon, nous avons prévu un quart d'heure, 20 minutes. Profitez-en, il y a plein de choses à peut-être approfondir à partir de ce qui a été dit par Jean-Charles. Bonjour, je suis enseignant et émerveillé de vous entendre, parce qu'il y a une résonance avec ce que les étudiants peuvent faire aujourd'hui. On n'est pas là pour ressusciter Jean Prouvé, immense bonhomme. En revanche, son intelligence et son état d'esprit, on peut les utiliser pour regarder des outils qui sont plus actuels. Dans nos écoles d'architecture, on a maintenant de la découpe laser. Tout à coup, c'est un peu comme l'emboutisseuse, mais ça fait autre chose. On a, pour les plus riches, une imprimante 3D. Et ces outils qui sont actuels, si on les aborde avec la même sagesse que Prouvé, et je pense que c'est intéressant pour le projet Minimahouse, dire on ne va pas être, on va pas ressusciter Jean Prouvé, mais on va garder cet état d'esprit sensationnel, justement, humaniste, technicien, ce rapport justement à l'art de faire avant de penser. Cette distance que l'informatique nous a donnée pendant un temps, aujourd'hui elle nous ramène vers je fais, je teste, je découpe. Voilà, et je crois que ça va tous nous faire gamberger. Donc encore merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
nos amis architectes ont envie d'intervenir. Vous avez commencé votre intervention en disant que vous avez voulu rénover cette maison en la mettant aux normes actuelles. Oui, bonjour. Vous avez commencé votre intervention en précisant que vous voulez mettre cette maison aux normes actuelles. Et donc, c'est une maison qui n'aura pas pour but d'être démontée. Je pose la question par rapport au concours, bien sûr. Et la mise aux normes thermiques de cette maison n'a pas l'air d'être, suivant la réglementation thermique 2012, peut-être encore moins 2005. Comment vous avez pu passer à travers ce problème de la réglementation thermique et finalement, quelle solution vous auriez pu proposer pour qu'elle le soit vraiment complètement? Alors, elle ne peut pas être, peut-être que je me suis mal exprimé, elle n'est pas complètement aux normes thermiques actuelles, du fait, par exemple, qu'on a gardé les châssis existants et que rien que déjà les châssis existants ne sont pas, sont pas étanches à l'air, si vous voulez. Ce qu'on a fait, c'est de la rendre la plus performante par rapport à ce qu'elle est, si vous voulez. Donc on l'a isolé le mieux qu'on a pu. On a essayé de mettre des matériaux à l'époque qui n'existaient pas. On a travaillé le maximum pour la rendre le plus performant et que les occupants soient pas à dire comme Madame Franz qu'elle parle. Voilà. Malgré que je trouve qu'elle avait une très belle image de sa maison, mais au quotidien, ça ne devait pas forcément être drôle. Donc elle n'est pas totalement aux normes actuelles, mais on a vraiment amélioré. On doit être, je crois qu'on est à 55 ou 60 kilowatts au mètre carré par an, donc c'est déjà quand même assez exceptionnel. Mais il y a ce problème des châssis qu'on ne pouvait pas faire. Donc on a compensé par d'autres choses, mais voilà. Mais nous, on y va, comme elle n'était toujours pas louée, moi j'en ai profité pour. Elle nous sert de salle de réunion pour notre travail du futur, et donc ça fait quand même un an que nous on l'a comme salle de réunion toutes les semaines, et avec l'hiver, l'été, on a quand même été très très bien dedans. Voilà. Alors après, elle n'est pas 2012, elle n'est sûrement pas passive house, mais elle est déjà beaucoup mieux. On lui a rendu un coup d'actualité et de vivabilité qui est tout à fait correct. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alain Creuillet, membre du Conseil consultatif régional des personnes accueillies en Île-de-France. Moi, je voudrais situer un petit peu le débat dans un contexte socio-historique. Ce qui nous interpelle, nous, usagers des politiques liées au logement, c'est un petit peu, quand je vois le thème, moi, de afficher habitat temporaire et modulaire ici et ailleurs, le contexte socio-historique, je reviendrai, moi, par rapport à ce contexte, sur les enseignements d'histoire, notamment la construction des cités de transit, quand il a fallu, en 62, rapatrier l'Arki, cité de transit qui avait pour fonction d'être transitoire, qui sont malheureusement devenues pérennes. Et aujourd'hui, au regard de la vétusté des bâtiments, je me pose quand même des questions, moi. Est-ce que le type de construction tel que le concevait Jean Prouvé correspondrait à de l'accueil, de l'hébergement et du logement en urgence de personnes réfugiées? Moi, je suis très inquiet. Très inquiet, très récemment, Anne Hidalgo avait invité vos collègues architectes de l'urgence à venir présenter des habitats modulaires. Et moi, je suis très, très inquiet quant à la longévité des produits qui seront des produits d'habitat qui seront proposés. J'aimerais un petit peu que vous, en tant qu'architecte, vous positionniez un petit peu, pas sur le côté technique, mais sur le côté social de l'habitat, quoi. C'est une vaste question.
il faut savoir, par exemple, que sur ces maisons métropoles, Jean Prouvet, lui, il les avait imaginées pour une durée de vie de 10 ans. Lui, il voyait que c'était un habitat provisoire, et qu'on montait ces maisons, et qu'elles tenaient 10 ans, et qu'après, on les démontait, on récupérait l'aluminium, on récupérait l'acier, on récupérait le bois, et on refaisait autre chose avec. C'était son idée. Donc, je suis d'accord avec monsieur qui est intervenu en premier, c'est on ne peut pas replacer son travail qui correspond à une époque avec notre époque aujourd'hui. Moi, la question que je me pose, je vais répondre à votre question, mais la question que je me pose par rapport à votre intervention tout à l'heure, c'est Jean Prouvé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait? Je suis certain qu'il ne ferait pas ce qu'il a fait là. Bien sûr, avec les outils de production qu'il y a aujourd'hui, il ferait autre chose. Voilà. Ce qui est important, et je vous rejoins, c'est son esprit et sa philosophie, sa vision des choses qui, ça, reste d'actualité et qu'on doit garder. Pour revenir au logement provisoire, c'est une vraie question, parce que déjà, moi, je trouve que le fait de l'appeler provisoire fait qu'on le met dans une catégorie de production et de coûts autre que ce qu'on pourrait appeler une construction pérenne. Donc ça pose déjà un problème. Donc après, le provisoire, c'est quoi? C'est quoi la durée dans le temps? C'est pour qui? Et comment on le gère? Moi, je pense que la problématique, elle est là, c'est dans la gestion et comment les gens vivent dans cet habitat provisoire et pour combien de temps? Parce que si on vit dans un habitat provisoire pour un mois ou trois mois, c'est pas un problème. Si on vit dans un habitat provisoire 10 ans, c'est plus un habitat provisoire pour moi. Donc la question elle est là, mais je pense pas que nous, architectes, ou moi en tant qu'architecte, je puisse répondre à ça. Parce que si je vais dans le sens où vous m'emmenez, ben, je fais un bâtiment pérenne et il est plus provisoire. Donc voilà. Donc je suis pas certain que ce soit l'architecte qui puisse répondre à votre question. Oui, bonjour, j'ai juste une question. Comment dire, on fait de l'habitat provisoire, mais est-ce que cet habitat, il doit respecter toutes les normes techniques? Je ne sais pas, il y a un mystère pour moi. Parce qu'on ne peut rien construire à cause des termes, des conditions, des normes techniques. Je veux dire, moi, mon voisin, etc., et tout à coup, pour les réfugiés, on peut faire du n'importe quoi, je ne sais pas. Alors, déjà, moi, j'ai un problème avec les normes. Hein, donc, je ne vais pas être le défenseur des normes, parce que je ne suis pas sûr que toutes les normes qui existent soient aillent dans le sens de la qualité de vie. Déjà, je pense qu'il y a quelques normes qui sont faites... on le rappelait pour la maison des jours meilleurs, le fait que la salle de bain n'ait pas de fenêtre sur l'extérieur, c'était invivable. Je ne suis pas certain que la maison des jours meilleurs soit invivable, même la maison qu'avait prévu Jean Prouvé à l'époque. Donc les normes, voilà, je ne peux pas être un défenseur de ça. Elles existent, on doit souvent... les utiliser, et moi j'essaye plutôt de les utiliser à contre-courant et de provoquer des choses par rapport à ça. Oui, mais c'est évident que si on fait un logement provisoire, donc encore une fois, qu'est-ce qu'un logement provisoire? On ne peut pas bien sûr lui demander d'avoir les mêmes exigences qu'un bâtiment pérenne, mais en même temps, vous savez, on parle de RT 2005, RT 2012, de passive house. Je ne suis pas certain qu'une maison provisoire qui aurait les normes thermiques de 2005 soit une aberration. Ce n'est pas une aberration quand même. Je veux dire qu'on ne se retrouve pas dans un logement qui était invivable. Je vais peut-être vous choquer, mais j'adorais aller chez mes grands-parents qui habitaient l'est de la France. Et en hiver, il faisait pourtant très très froid. La nuit, il y avait, bien sûr, comme dans les maisons de Jean Prouvé, il n'y avait qu'un poêle dans la cuisine, dans la chambre il n'y avait, pas de chauffage, et le matin quand je me réveillais il faisait très très froid. Il y a peut-être un truc qui m'a aidé à être architecte, c'est qu'il y avait du givre sur les fenêtres et je dessinais. Donc c'est peut-être bien aussi des logements qui ne sont pas tout à fait aux normes et tout à fait voilà. Après il y a le problème aujourd'hui du coût des matières premières et de l'énergie qui est un autre problème, où là je retire ce que j'ai dit précédemment, mais
Le non-respect des normes ne veut pas dire forcément d'avoir un logement insalubre et qui ne soit pas extrêmement agréable pour des gens qui seraient là de façon provisoire. Parce que je pense que d'avoir déjà un toit, c'est quand même déjà un chez-soi même, pas un toit, mais un chez-soi, c'est quand même déjà extraordinaire, quoi. C'est pas extraordinaire, c'est la chose normale que toute personne devrait avoir. Voilà. Je voulais revenir. Non, c'est une réponse. Oui. Non, je voulais simplement apporter une précision. Lors de la première journée, pour répondre à la personne qui a évoqué la question des cités de transit, nous avions parmi nos invités une militante du mouvement ATD Quart-Monde qui vit toujours dans une cité de transit qui a été construite en 1970, livrée en 1970, et qui devait durer... tard être détruite en 85, donc elle y vit toujours, 60 ans plus tard, 50. Cette maison a présenté des défauts qui ont été relevés 6 mois plus tard, une liste d'innombrables défauts qui étaient à la fois sur les problèmes de détail de l'intérieur des bâtiments, mais aussi surtout la question qui n'a pas été évoquée aujourd'hui, mais parce qu'on est dans des pavillons, c'est la question de l'isolation phonique, qui est aussi importante. Et là, on peut remercier les normes d'avoir évolué dans ce domaine, mais la vie est invivable dans ces lieux. Et donc, des gens vivent dans ces lieux, faute de mieux, depuis 50 ans. Et ce bâtiment va être enfin détruit. Il va l'être au mois de mars prochain. Et la question du relogement de toutes ces familles se pose aujourd'hui. C'est-à-dire, cette dame qui milite aujourd'hui pour une meilleure vie à l'intérieur même de ce bâtiment ne sait pas au mois de mars où elle vivra. Oui, moi. Pardon. Ça va, ça marche ? Je rebondis sur l'intervention du monsieur là, qui répondait à la personne tout à l'heure. La fameuse cité transit qui existe depuis 50 ans, est-ce qu'elle ne peut pas être modifiée plutôt que détruite ? Je ne suis pas habilité à répondre. En tout cas, moi, je vous conseille de réécouter... la première journée qui a longuement qui a essayé d'approfondir toutes ces questions sur le temporaire. Je pense que vous aurez énormément d'intérêt à réécouter les interventions qui étaient assez larges pour ne pas revenir peut-être aujourd'hui sur ces questions-là. Ce colloque est en 2 jours. Et en fait, la première journée à Nantes, donc mardi, portait sur la question du temporaire, du provisoire, à la fois les questions juridiques, sociales, historiques. La première journée a été entièrement filmée et elle sera mise en ligne autour du 25 octobre sur le site Minimahouse 6. Donc on vous conseille de regarder cette journée en podcast sur vos ordinateurs. Oui, Jérôme Laplane. Moi, je vais rebondir sur la question qui a été posée sur les normes techniques, les DTU, etc. Elles sont faites pour nous empêcher de réfléchir. Et il faut l'aborder comme ça. C'est-à-dire que, ou au contraire, nous motiver à réfléchir. On peut le voir dans les deux sens. C'est-à-dire que ce sont des normes qui ont été faites pour répondre à des besoins normatifs. Lorsque on conçoit une maison, qu'elle soit provisoire ou durable ou temporaire, démontable, remontable,
on va devoir se confronter à toutes les normes, bien sûr, mais on peut y apporter une réponse à condition qu'elle soit justifiée, à condition qu'elle réponde à un raisonnement, à un pourquoi. Pourquoi je vais, pour des questions supérieures, m'affranchir de telles normes, et quels sont les avantages, les inconvénients. Et en fait, ça va être, ça peut être aussi un moteur puissant d'innovation. Justement, comment on va arriver à contourner une norme, c'est forcément novateur, si on arrive à répondre à la question qui a prévalu à la norme. Hein? Et donc, c'est quelque chose qui... Enfin, ça fait effectivement quelques années que je travaille, que je ne suis plus étudiant, mais je continue à l'être, et pour ça, c'est vraiment un moteur de tous les jours. Comment arriver à répondre à un besoin en oubliant la norme et en retrouvant l'essence même, la question originale de cette norme. Et là, on arrive à trouver des solutions, parfois bonnes, parfois moins bonnes. Mais de toute façon, sachez que quand on ne respectera pas la norme, on sera critiqué, on sera questionné au moins. Et donc, il faut pouvoir y répondre. Pourquoi on ne l'a pas fait? Il faut donc les connaître pour pouvoir vraiment se positionner par rapport. Oui, votre intervention est capitale, hein, absolument. Nous l'avons d'ailleurs évoqué lors de la première journée. Il faut arriver à justifier des choix. Et je pense que c'est ce qu'a fait prouver toute sa vie. Les normes ne sont faites que pour être questionnées et éventuellement modifiées quand elles ne correspondent plus à des réalités.